Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Todd, bonjour à tous. Dites-moi, Kylian est un petit garçon très particulier et très étonnant, très volontaire. Et on avait rendez-vous avec lui le week-end prochain. Rappelez-nous qui est Kylian. Voilà, Kylian, c'est un jeune de Tyros qui a 12 ans. Et voilà, il a eu un petit souci à la naissance, il a manqué d'oxygène. Donc en gros, il souffre d'infirmité motrice cérébrale, donc il a du mal à marcher. Alors il suit des thérapies alternatives en ce moment pour pouvoir marcher avec de l'aide. Mais pour pouvoir vraiment marcher normalement et naturellement, il faudra une opération qui peut se faire qu'aux États-Unis et qui coûte assez cher. Donc voilà, il multiplie les actions solidaires pour récolter des fonds pour pouvoir se payer cette opération. Alors, quand on dit assez cher, hein, c'est 75 000 euros. 75 000 euros, c'est ça. Et il n'y a que cette opération qui va pouvoir lui redonner la capacité totale de ses membres. Je dis que c'est un petit garçon étonnant parce qu'on peut voir sur sa page Facebook, enfin sur la page Facebook de Le Rêve de Kylian, l'association qui s'occupe de récolter ses fonds, on le voit avec le sourire permanent en train de marcher sur son tapis de marche. Il va bien Kylian dans sa tête. C'est ça, oui, il se bat et c'est ça, il y a toujours la joie de vivre, toujours le sourire et ça fait plaisir à voir. Mais... Donc si on peut l'aider, c'est sûr que c'est le jeu qu'on peut faire. Hein. Alors pour l'aider, samedi prochain, il était prévu une espèce de marathon solidaire entre Bayonne et Saint-Vincent-de-Tyros. Évidemment, les nouvelles mesures vont empêcher cette marche, mais néanmoins, elle va avoir lieu quand même. Expliquez-moi comment c'est possible. Voilà, donc du coup, il y avait deux possibilités. Soit on le faisait ensemble, donc par groupe de 6 de Bayonne à Tyros, donc en prenant la Vélodyssée pour faire 42 km et finir avec lui en Joëlette, ou en virtuel. Et en fait, la possibilité de Bayonne-Tyros, c'est mort parce qu'il faut respecter ce rayon de 10 km. Donc, je propose à tous qui veulent participer de le faire en virtuel, surtout le week-end. Donc, samedi ou dimanche, chacun fait son action sportive. Donc, courir, vélo, je sais qu'il y en a qui vont faire du bricolage. Et partager donc photos, vidéos à envoyer sur Facebook à la Grande Espadrouille. Comme ça, je vais récolter un peu tout ça pour faire un petit montage. Et surtout, bah, participer derrière à la cagnotte. Donc, ça sera un peu une course virtuelle dont les frais d'inscription seront reversés directement dans la cagnotte qui est gérée par l'association Le Rêve de Kylian. La Grande Espadrouille, c'est quoi la Grande Espadrouille? Ça, c'est mon association de course en espadrille. Oui. On a déjà parlé. Et donc, moi, je vais peut-être le faire aussi en espadrille. J'ai prévu de me faire un marathon sur mon rayon de 10 km. Samedi, donc voilà, chacun peut faire son sport, du roller, du vélo, du ski, ce qu'il veut dans le week-end. Donc vous partagez vos photos et vos vidéos avec la Grande Espadrouille et puis vous appuyez sur le lien pour récolter un peu d'argent pour que enfin le rêve de Kylian, c'est-à-dire marcher de manière autonome et seule, puisse se faire. Voilà, on a la chance nous de pouvoir courir, il faut qu'on aide à pouvoir marcher le pauvre. Merci beaucoup, vous dites voilà, le bon, moi je suis toujours ébloui par le sourire de Kylian. Et la vie qu'il a dans les yeux, c'est ça sa force. Merci Nicolas Duplat, et donc rendez-vous samedi pour faire tout ce qu'on veut, comme on veut, mais à condition de cliquer là où il faut. Merci beaucoup. Exactement, merci, bonne journée à tous. Au revoir. Ayo. Le matin avec Jean.